Chers élèves, bonjour. Content de vous revoir. On va continuer aujourd'hui la deuxième séance de la leçon Transmission avec transformation de mouvement. Cette leçon télévisée est encadrée par M. l'inspecteur, que, que je le salue très fort, M. Loutfi Saïd, et préparée par mes chers collègues, M. Semi Boulares, M. Ali Bourriou et moi-même, M. Zoubaïr Ben Yahmed. Je vous rappelle, avant de commencer, je vous rappelle les objectifs, les objectifs de, 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 les objectifs de cette séance, de cette leçon, avant euh, à atteindre. Premier objectif, c'est de définir les constituants d'une chaîne de transmission de mouvement. Deuxième objectif, c'est de déterminer les caractéristiques d'une transmission. Je vous rappelle aussi que les transmetteurs mécaniques normalement vont con convertir. Un mouvement en un autre mouvement. Par exemple, du mouvement de rotation en un mouvement de translation ou inversement. Ces transmetteurs donc ont pour fonction principale, c'est de transmettre une puissance en transformant le mouvement. On a vu aussi que plusieurs solutions peuvent atteindre ce but. On a vu quelques systèmes. Le système visécrou, le système biel manivelle le système à excentrique. Aujourd'hui, on va continuer par le quatrième processeur, c'est le système pignon crémaire À partir de la rotation du pignon, on provoque la translation de la crémaillère, ou inversement. Et finalement, on va étudier aussi les systèmes à cam. À partir de la forme de la cam, ici c'est la pièce rose, pardon. à partir de la forme de la cam et de son mouvement de rotation continue, on obtient une translation alternative à vitesse variable demandée par le cahier de charge. Commençons par le système pignon-crémaire. On va commencer notre étude par un exemple que vous le connaissez bien, c'est le système c'est la perceuse sensitive. Le système proposé pour cette étude est la perceuse sensitive qui a pour fonction de réaliser des opérations de perçage de différents diamètres sur des pièces de différents matériaux. Pour assurer l'opération de perçage, il faut avoir deux mouvements. Tout d'abord, un mouvement de coupe comme vous voyez ici, rotation du forêt, commandé par le moteur électrique. Un autre mouvement, c'est. Un mouvement de translation du forêt et qui s'appelle le mouvement d'avance, commandé manuellement à travers la rotation des, levier, des leviers et du pignon arbre 13. Passons à l'analyse fonctionnelle. Complétez le diagramme d'analyse fonctionnelle face ci-dessous, relatif à la fonction principale, permettre à l'utilisateur de percer des pièces. Donc, pour achever à cette fonction, on doit assurer trois fonctions techniques. Premièrement, on doit serrer la pièce. Mais en même temps, on doit animer l'outil d'un mouvement de rotation et qui s'appelle le mouvement de coupe. Et deuxièmement, on doit animer aussi l'outil d'un mouvement de translation qui s'appelle mouvement d'avance. On va se focaliser à ce Système de transformation de mouvement. Comment, à partir d'un mouvement de rotation du levier de commande, comment on va assurer la translation du fourreau crémaire Passons, on va décortiquer maintenant on va décoder, si vous, si vous voulez, le dessin d'ensemble. Le dessin d'ensemble de, du mécanisme de commande, de déplacement de la broche de la perceuse sensitive, se constitue alors. Du, des trois leviers 24 qui vont euh, euh, l'utilisateur euh, il va faire pivoter cette pièce là qui s'appelle le pignon arbré 13 donc la rotation du pignon arbré provoque certainement à travers cette liaison elle va provoquer la translation de la pièce rouge ici qui s'appelle fourreau crémaire certainement après l'intervention du pignon 13. Donc certainement cette transmission de mouvement va s'apparaître à ce niveau-là. Passons au principe de transformation de mouvement. Un dispositif a été employé pour transformer la nature de mouvement d'entrée afin de l'adapter à la sortie. Donc on a dit le mouvement d'entrée ici, c'est la rotation du levier mais Rotation des leviers de commande et du pignon 13. Et le mouvement de sortie, ce sera certainement c'est le mouvement d'avance. On a dit c'est le mouvement de translation qui s'appelle le mouvement d'avance. C'est la translation du fourreau. Donc la transmission de puissance est réalisée alors avec transformation de mouvement. Donc certainement, à l'intérieur, on a le système de transformation. À partir d'un mouvement de rotation, ici d'une rotation on a une transformation de mouvement, à la sortie, on a trouvé un mouvement de translation. Conclusion, il existe un système dans la perceuse, voilà, c'est ce mécanisme-là, qui s'appelle pignon crémaire, qui transforme le mouvement de rotation, bien sûr, du pignon, en un mouvement de translation de la crémaire qui est en rouge. La question qui se pose maintenant est-ce que c'est réciproque? Donc on va essayer, on va faire une manipulation. Normalement, on va, voir la réversibilité, on va étudier la réversibilité de ces mécanismes. En essayant de faire translater le fourreau vers le haut, on constate que le pignon arbré 13 et les trois leviers tournent. On dit alors que le système pignon crémaire est réversible. Donc la rotation provoque la translation et en même temps la translation provoque la rotation. C'est pour cela on dit que le système est, est réversible. Étudions maintenant la course. On va donner l'expression littérale de la course C en fonction du nombre de tours du pignon. La course C est égale. Donc on vous rappelle qu'une crémaillère peut être considérée comme un élément de roue dentée dont le diamètre primitif tend vers l'infini. On va l'appeler ligne primitif. On vous rappelle que le diamètre primitif du pignon est égal le module fois le nombre de dents. Et le, et, le, et le périmètre, bien sûr, bien sûr c'est pi fois d, donc est égal à pi fois m fois z. Je vous rappelle aussi que le pas du pignon, PP, euh, c'est le périmètre, le périmètre divisé par le nombre de dents. On va trouver P, le pas du pignon est égal à P fois M fois Z sur Z. On vous rappelle aussi que pour qu'il y aura un engrainement, il faut que le module, de la, le module et le pas de la crémère soient les mêmes. Et que ceux du pignon, donc le module de la crémère et le module du pignon, sont les mêmes. Le pas de la crémère et le pas du pignon est le même aussi, donc qui est égal à pi fois m. Je vous rappelle aussi que le rayon, bien sûr, le rayon primitif, qui est égal le diamètre divisé par 2, qui est égal aussi le module fois le nombre de dents divisé par 2. Et alpha est un secteur où un nombre de tours doit être exprimé en radians, et qu'un tour, bien sûr, vaut 2 pi radians. Voilà, la course est égale, donc certainement, c'est le produit rayon multiplié par le secteur alpha, ou bien le nombre de tours alpha. Donc, c'est est égal à R fois alpha, qui est égal à D sur 2 fois alpha, qui est égal à M fois z sur 2 multiplié par alpha. Passons à l'étude du nombre de dons et en fonction du nombre de tours. En mesurant le déplacement du fourreau de la perceuse correspondant à un demi-tour, à un demi-tour du levier, on a trouvé C est égal à 41 mm. Donc, sachant que le module de la denture du pignon arbré est, est égal à 2 mm, calculez alors le nombre de dents de ce pignon. Donc, pour un demi-tour, on a dit du pignon est égal, alpha est égal à pi radian on a un déplacement C est égal à 41 mm. Sachant que cette distance 41 mm est mesurée par une réglette normalement, donc à peu près 41 mm. On va continuer, on va voir... La course C est égale donc M fois Z sur 2 fois alpha, qui est égale M fois Z sur 2 fois pi. Donc, on peut déduire que Z est égal 2C sur pi M, qui est égal 2C sur pi, 2, pi fois 2, qui est égal C sur pi, qui est égal 41 sur pi. Donc, on peut déduire que Z est égal 13,05. 13,05. Mais Z est, un entier, Z est un nombre de dents. On ne peut pas trouver une valeur décimale. Donc, certainement, le nombre de dents est bien sûr est un entier naturel. Z, d'alors, est égal à 13 dents. Question 2. Trouver le nombre de tours effectués par le bras, bras de gommons de la perceuse pour effectuer un déplacement de l'outil de 62 mm. Donc, le nombre de tours est égal à la course divisée par le périmètre qui est égal à c sur pi fois m fois z pignon, qui est égal à 62 sur pi fois 2 fois 13. Donc, après tout calcul fait, on trouve le nombre de tours est égal à 0,759 tours. C'est un secteur d'ailleurs. Passons maintenant à la longueur minimale d'une crémère. Comment déduire une longueur minimale de la crémère On vous présente ci-dessous un extrait du cahier de charge fonctionnel qui exige une course minimale du fourreau est égal 75 plus ou moins 5 mm. Pour concevoir la crémaillère adéquate, le bureau d'études doit fixer le nombre de dents minimal de cette dernière. Vous voyez ici, on a la crémaillère qui a euh, le pas, qui a une longueur qu'on va la calculer. Donc on dit que la longueur de la crémaillère est égale le pas multiplié par le nombre de dents. Doit être supérieur ou égale à la course minimale du fourreau. La question calculer alors le nombre de dents minimales de la crémère. Donc, on va commencer la longueur de la crémère, On a dit qu'elle est égal à le pas fois le nombre de dents le nombre de dons, qui doit être supérieur ou égal à la course minimale. Donc, on peut conclure que le nombre de dents de la crémaillère doit être supérieur ou égal à la course divisée par le pas de la crème Cela implique que le nombre de dents de la crème doit être supérieur ou égal à la course divisée par πm. Donc, on peut déduire alors le nombre de dents de la crème supérieur ou égal à 75 sur pi fois 2, qui est égal à. Donc Z crémère est supérieur ou égal à 11,94. Et bien sûr, toujours Z est un nombre de dents, donc c'est un entier naturel. Donc certainement, le nombre de dents de la crémère minimale est égal à 12 dents. Passons maintenant, on va faire le résumé. Le système pignon crémaire est un système de transmission de puissance avec transformation de mouvement réversible, c'est-à-dire qui transforme le mouvement de rotation en un mouvement de translation et vice-versa. La translation de la crémère provoque la rotation du pignon. Et la rotation du pignon, elle va provoquer la translation de la crémère. Le module et le pas de la crémère doivent être les mêmes que ceux du pignon lié. Donc, avec le pas de la crémère, qui est égal au pas du pignon, qui est égal à pi fois m. La course C effectuée par la crème R est en fonction du rayon R et du nombre de tours alpha du pignon lié. C et R doivent être en millimètres et alpha en radians. Donc la course C est égale le rayon fois alpha qui est égal le module fois le nombre de dents divisé par 2 multiplié par le secteur alpha ou bien le nombre de tours alpha. Le nombre de tours N effectué par le pignon en fonction de la course C parcourue par la crème R est n est égal à la course divisée par le périmètre, qui est égal à la course divisée par pi fois m fois le nombre de dents du pignon. Passons maintenant au dernier système, c'est le système à Comme on a dit l'autre fois, à partir de sa forme et de son mouvement de rotation, on va provoquer une translation alternative à vitesse variable demandée par le cahier de charge fonctionnel. Donc, on va maintenant représenter parmi les études qu'on va faire, c'est comment représenter le profil de la CAM. Tout d'abord, on va débuter avec un petit exemple, l'exemple d'étude, pardon. Le sous-système qui fera l'objet de cette étude appartient à un système automatique de perçage avec débourage et se nomme dispositif d'avance de tour automatique à CAM. Notez bien que le perçage avec débourrage, ça signifie que le forêt perce la pièce à une certaine profondeur, prise de passe et recule pour débourrer le coupeau. Vous voyez ici, le mouvement d'entrée, c'est la rotation continue de la cam. Le mouvement de sortie, c'est une translation. C'est un, une translation alternative du fourreau. Passons à la lecture du dessin d'ensemble. Comme vous voyez ici, le mouvement de, de sortie, pardon, le mouvement de sortie est destiné au fourreau. Le fourreau porte-forêt qui a besoin de différentes vitesses d'avance et de recul. Et le mouvement d'entrée, certainement, c'est la rotation continue de la cam. Cette cam, on va la tracer par la suite suivant le cahier de charge ou graphe des espaces. Étudions maintenant la réversibilité. Le mouvement d'avance de l'outil est donné au fourreau porte-forêt 1 grâce à la cam 18, entraînée en rotation par un moteur. Donc, la rotation continue provoque la translation alternative du fourreau. En essayant de faire translater le fourreau, on constate que la cam ne tourne pas. On dit alors que le système à cam est irréversible. Donc, le mouvement d'entrée est une rotation, le mouvement de sortie est une translation, mais réciproquement n'est pas possible. Le système à cames est un système irréversible. Étudions maintenant le princ les principaux types de cames. Premièrement, les cames à disque. Vous voyez ici cet exemple ou celui-là, ce sont des cames à disque. Même cette forme-là, on peut la nommer aussi cam-cœur. Les cames à rainures. Comme vous voyez ici, un tambour rainuré et le suiveur va suivre cette forme-là s'appelle cam à rainure. On passe troisièmement au cam tambour ou cam cloche. Comme vous voyez, les cam cloches, on les utilise ou bien les cam tambours, on les utilise généralement lorsque la direction du suiveur et l'axe de pivotement de la cam sont parallèles. Et enfin, on a les cames à plateau rainuré ou bien les cames à surface rainurée. Comme vous voyez aussi, le suiveur va suivre le, la, rainure, la rainure qui se trouve à l'intérieur de ce plateau. Vous voyez aussi l'existence d'un ressort. Le ressort de rappel a pour rôle de maintenir un contact permanent, comme vous voyez ici, entre la tige et le galet. Pardon, entre, la, entre la tige et la cam, ou bien le galet et la cam. On va compléter par le traçage des cam à disque à partir du diagramme des espaces. Donc pour percer une série de pièces pendant un temps optimal, et sans endommager le forêt, ni abîmer l'état de surface des pièces percées, le bureau d'études a classé les opérations de perçage d'une pièce en cinq phases ordonnées comme suit. On a un diagramme des espaces ou graphe de variation de course. Une rotation, une rotation de la CAM, on a divisé en 12 intervalles de temps euh, égaux. Donc, premièrement, la phase une phase d'approche, avance rapide de l'outil à vitesse constante sur 20 mm pendant un sixième de tour. Bien sûr, un sixième de tour, on a 12 intervalles de temps, donc on peut représenter ces deux intervalles, c'est l'un sixième de tour. Ensuite, deuxième phase, c'est le perçage, c'est la phase de perçage. Avance lente de l'outil à vitesse constante sur 25 mm pendant un tiers de tour. La même chose, un tiers d'un tour, un tiers de douze intervalles, certainement on a les quatre intervalles de temps. Entre 2 et 6 la troisième phase c'est la phase de finition maintien en position de l'outil pendant un deuxième de tour dans ce temps là on a un maintien en position dans la quatrième phase c'est la phase de débourrage c'est à dire le retour de l'outil à vitesse constante pendant un quart de temps pardon un quart de tour et enfin, la cinquième phase, c'est une phase d'attente. Repos sur le reste du temps. C'est le temps alloué pour l'arrivée de la pièce suivante. On a maintenant un diagramme des espaces. Normalement, on va représenter la CAM à partir de ce diagramme. Pour concevoir la CAM, le bureau d'études a fixé son rayon minimal R égale 30 mm. Et le rayon du galet, petit r est égal 10 mm. Si après les différentes étapes, pardon, si après les différentes étapes pour la conception de la cam. Tracez tout d'abord le cercle minimal de la cam de rayon R égale 30 mm. Normalement, le cercle minimal est euh, euh, fixé à partir d'une étude d'RDM. Donc on a fixé R égale 30 mm. Diviser le secteur en n parties égales. On prend par exemple, n est égal 12. Utilisez donc un rapporteur d'angle ou une équerre à 60 degrés et on va tracer les six axes pour trouver les 12 positions du galet. Choisir parmi ces six axes la position initiale du galet de rayon r égale 10 mm, tangent avec ce cercle. On peut prendre cette, posi cette position, c'est la position initiale. Par exemple, la position initiale du galet de rayon petit r égal 10 mm. Tracer un cercle de rayon grand r plus petit r et qui passe par le centre zéro du galet dans sa position la plus proche du centre de la cam, appelé cercle minimal. Du centre de galet ou cercle de base. Cinquièmement, représenter le sens de rotation de la cam pour pouvoir ordonner les douze positions du galet. Bien sûr, si la cam pivote autour de cet axe, euh, comme euh, euh, si la cam tourne dans ce sens. Donc euh, si, euh, comme si euh, le galet qui va être tourne dans l'autre sens. Mais en réalité, la cam, c'est elle qui va tourner. Dans ce sens. Tout simplement pour pouvoir représenter les positions, les 12 positions du galet. Sixièmement, mesurer les segments 1, 1', 2, 2', 3, 3', etc. et les reporter respectivement sur les axes des douze positions. Donc voilà, 1, 1'. On a trouvé le centre du galet à la deuxième position. Donc, on peut tracer un cercle avec un, un compas de rayon r égale 10 mm. La même chose, on va mesurer deux de primes, on va les représenter, on trouve, la, on trouve le point ou bien le centre de, de, de la deuxième position du galet, ainsi de suite, on trace le galet de rayon petit r égale 10 mm et ainsi de suite. 3, trois, trois primes comme vous voyez, et ainsi on va, on va mesurer 4', 4', etc., 5, 5' jusqu'à ce qu'on jusqu jusqu va continuer les 12 positions du galet. Mais comme j'ai dit, que la cam, c'est elle qui va tourner, ils n'ont pas, pas le galet, mais tout simplement, c'est pour pouvoir représenter le profil pratique de la cam. Voilà, on a trouvé les 12 positions. De la cam, on va tracer maintenant à main levée la courbe tangente à ces cercles et qui passe par les extrémités du galet. C'est le profil de la cam. C'est le profil c'est le profil pratique ou réel de la cam. Vous voyez ici, c'est le profil réel de la cam. Et voilà notre cam disque est prête. Comme vous voyez. Normalement, la cam, c'est elle qui va pivoter autour de son axe et le galet du suiveur va le suivre. C'est réellement comment on va voir le fonctionnement. Eh bien, merci d'avoir suivi et à la prochaine.